du monde. Et vous allez voir ce qui se fait de mieux en gymnastique rythmique et sportive, la plus belle composition, la plus belle exécution. Bref, sur Carmina Burana, du compositeur allemand Karl Orff, voici Maria Petrova. Maria Petrova, qui à 19 ans a décidé de quitter la scène mondiale, on peut le dire, en parlant de scène et non pas de gymnase, la scène, car c'est une artiste. Ça sera sa dernière compétition à Paris. Elle a déjà remporté la médaille d'or du concours général et elle s'achemine désormais dans les quatre finales qu'elle va disputer aujourd'hui et demain, être la plus brillante, la plus étonnante, la plus séduisante. En tout cas, c'est vrai que à chaque passage, on dit que Olga Gontar était superbe, Loukaïenko était charmante. Que dire de Maria Petrova? Franchement, je ne vois plus les qualificatifs qui lui conviennent parce qu'elle est au-dessus des autres. La plus belle composition qu'on ait vue au cerceau, mais vous la verrez au massue, c'est aussi extraordinaire. Et puis demain sur France 3, vous la verrez au ruban, vous la verrez au ballon, c'est magique. Et en plus, eh oui, cher prince, Maria Petrova est une reine. Mmh. 9825, et bien les juges ont trouvé le moyen. Ah, c'est fou.